Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne First Pro Max, la chaîne du Japap et du Béret. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà une histoire qui se retrouve sur la toile. Une Congolaise qui s'est fait mourir toute la nuit par un homme. Et l'homme l'a payé combien? 15 000 francs congolais, qui est l'équivalent de 3 000 francs CFA. Et en plus de cela, cet homme a filmé, a fait le mourouté, est parti et publié ça sur les réseaux. Jusqu'à Marcos a dit qu'il a vu un mourouté. Donc quand tu entres dans les mourouté, un pasteur, il entre dans les mourouté pour voir. Attention, vraiment, vraiment l'imposture. On va faire comment? Un pasteur, tu entres pour voir les mourouté, n'est-ce pas? Donc, Marcos se dit donc ceci, qui sera en mai au Congo, oui, et qu'il va donner 1000 dollars à cette femme, oui, pour qu'elle puisse commencer une activité, parce que ce que l'homme l'a fait là n'est pas bien, que l'utiliser toute une nuit et donner seulement 15 000 francs congolais, donc 3 000 francs CFA. Vous écoutez, j'espère qu'on est sur la même longueur d'onde. Vous écoutez là, c'est un pasteur qui dit ça, que comment on lui paye seulement 15 000. Donc, tu es d'abord en faveur du fait qu'elle vende le piment. Ton problème là, donc ton problème n'est pas là que, n'est pas que elle est partie vendre le piment. Ton problème c'est qu'on l'a payé petit. Attends, je ne sais pas si vous comprenez la famille. Je vous ai dit qu'il va récompenser, il va donner. Hey, vraiment, la vie si est. Après, on va me dire que je parle de ma console. Ouais, ouais. Ce que tu fais là, ce que tu viens de dire là, dis-moi à quel niveau c'est compatible avec la parole de Dieu. Donc, tu pleures le sort de la fille qu'on l'a payé petit. Au lieu de dire non, ma fille, ce n'est pas un travail, tu ne devais pas être en train de faire les choses comme ça là. Hein? Viens, je veux t'apprendre, il faut apprendre un métier, je veux te payer même une formation. Comme ça là, oui. Tu dis non. Comment cet homme peut faire ça? Seulement 3000 francs CFA. Hein? Comment? Bon, donc, vraiment la vie ici. Pasteur sur nous maintenant. Pasteur sur nous maintenant. Jusqu'à ce que tu vas récompenser. C'est maintenant que tu cherches à la réconciliation avec les Congolais. Parce que comme tu sais que tu vas visiter, oui, mais tu as passé le temps à clasher, hein? Oui. Marcos a passé le temps à clasher les Congolais. Maintenant, comme il sait que son voyage est proche, il a pris le sujet ci comme motif pour soudoyer les Congolais. Pour dire que non, calmez-vous, hein? Calmez vos ardeurs. Moi, j'arrive là-bas, vous comprenez. Ouais, la maman est de ce type. Nous, on comprend, Marcos est comme un livre devant nous. Marcos est comme ça, j'ouvre Marcos, je lis. Oui, je te lis. Te lis, mon frère. Oui, je te lis. Ouais. Vraiment. On peut faire ça. Quand tu as parlé, on va te dire, oh, c'est un homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Les hommes de Dieu n'existent pas. Hein? S'il vous plaît, ils n'existent pas. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. On a dit qu'un homme, on appelle un homme de Dieu parce qu'il prêche la parole de Dieu. Ou il fait semblant de prêcher la parole de Dieu. Tu l'appelles homme de Dieu. Non. Non, Marcoso. J'aime Marcoso comme Marcoso, le blogueur. Oui. Tu es blogueur, oui, c'est ça. Influenceur, clasheur, oui, c'est ça. Mais dis que pasteur, non. Laissez le pastoral, là. Laissez ça loin. Laissez ça très loin. Hein? Laissez ça loin. Oui. Attends, il n'est pas qualifié. Il n'a pas les atouts pour être un pasteur. Il n'a pas les atouts pour qu'on dise que ça, c'est quelqu'un qui est pasteur. Non. Il n'a pas. Il n'a pas les qualités qu'il faut. Mais comme blogueur, oui. Comme mamailleur, oui. Il est excellent, il est fort, il connaît son jeu. Oui, mais on le comprend. Oui, il faut avoir le cerveau pour comprendre le genre. Mais donc tu comprends que non, celui-ci,
il a le cerveau, il connaît sa marmaille. Oui. Comme marmailleur, oui. Respect, Makoso. Mais comme pasteur, oublie ça. Oublie les histoires-là. Je ne sais pas de qui te croit vraiment que tu es vraiment. Parce que dernièrement, vu comment tu as enlevé le serpent de la bouche d'une femme là-bas en France. Vu comment tu as enlevé le serpent. Oui, je l'ai. Oui, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Yes, Makoso, tu es fort. Tu es fort. Et les gens continuent à croire que celui-ci, il est pasteur. Il est pasteur. Il avait dit quoi sur Facebook? Que les. Si je reçois 20 000 likes sur quoi c'était sur quelle vidéo là, sur quel live là, il va construire une église. Parce qu'on dit toujours que tu es pasteur sans église. Ouais, ton église dit qu'il va construire l'église, n'est-ce pas? Qui va prendre combien? Combien de milliers de personnes? Quelque chose comme ça, ou 2 000. Donc, on attend, non? On attend l'église. On attend la construction de l'église. Ah ouais. Tu vas faire tes miracles là. Chaque jour, on va vous témoigner ça. Les serpents que tu sors dans les bouches des gens, on va voir ça tous les jours. Construis l'église là. On va venir témoigner. Mais la famille, ne faites pas les organes. Oh, pour moi, ça sort comme ça sort. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto. Et surtout, ne mettez pas les organes.